Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, une nouvelle vidéo invocation. Et aujourd'hui, vous l'avez à l'écran, on va invoquer sur les tickets des 3 ans. Donc voilà, j'ai 40 tickets, ça va faire 8 multi. Alors j'espère, j'ai jamais eu de Neo LR, donc j'ai eu les LR de catégorie. Ah oui, c'est vrai, la boule Polunga, je ne l'ai pas encore faite. Donc vous voyez, on est le cinquième jour depuis le début des 3 ans. Tac, donc jeudi, vendredi. Donc vendredi, on aura la 7e boule et un vœu. Alors, on va aller voir le détecteur. Donc je disais, qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur ce portail? Le tapion, celui-là, je ne l'ai pas, le tapion tech. Ce Goku Agi, je l'ai, mais ça pourrait me permettre d'améliorer celui que j'ai. Celui-là, je l'ai aussi. Le Goku Nordax, je l'ai. Le Bardock Endurance, je l'ai. La Pan GT, je ne l'ai pas, celle-là. Pourquoi pas? Ça j'ai pas. Je dis pas non. Ouais, enfin, j'ai mis chez Baba. Donc, je disais, j'ai eu les LR de catégorie, mais je n'ai jamais eu de Neo LR. Et il faut savoir que tous les Neo LR sont disponibles sur le... Alors voyons voir. Sur le détecteur. Je vais essayer de les trouver. Alors où ils sont, où ils sont, où ils sont. De toute façon, à un moment, on va avoir marqué Broly. C'est qu'ils seront là. Ils sont tous les uns à la suite des autres, normalement. Demigra, on s'en fout. Végéto, on s'en fout. Metal Rideau, on s'en fout. Alors attendez, il est où? Je l'ai pas passé quand même. Champa, Lee Shenroy, Mai, Zamazu, Videl, Bulma enfant, Sangohan petit, Broly. Voilà. On commence avec le Sai. Voilà, Majin Vegeta. Tac. Déjà, un Neo LR. Le Saiyan masqué, c'est Goten, c'est Trunk. Neo LR. Ah non, c'est même pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, dis donc. Parce que c'est un Agi, donc c'est pas celui-là. Le LR Broly. Le LR Goku Black. Bergamo, non. Mighty Mask, il est là. Le SSR, donc qui devient LR Agi. Le Trunk Jeune Endurance, le LR. Et puis. Je sais qu'il y a le Bojack. Il est là, le Bojack. Il y a le Tapion Hildegarde. Donc il y a vraiment de quoi récupérer les LR. Son Gohan. Je sais qu'il y a le Son Gohan LR aussi. Donc il est quelque part par là. Donc il faudra le. Il me faut un Neo LR. C'est pas compliqué, j'ai 8 multi. 8 multi à 5 cartes. Donc je vais récupérer. Voilà, je vais récupérer 40 cartes. Non, plus que ça, si 40 cartes. Donc il me faut au moins sur 40 cartes, j'aimerais bien un Neo LR. Je vois plein de monde sur les réseaux sociaux qui en ont eu. Donc c'est parti, j'aimerais bien moi récupérer un Neo LR. Donc ah ben ça commence bien, Shenron, donc déjà un SSR. Là honnêtement, on vise le SSR hors détecteur. C'est vraiment ce qu'on vise pour avoir une chance d'avoir justement un de ces Neo LR. Le Bardock, eh ben ça me permettra d'augmenter l'aspect de celui que j'ai déjà. Ce Goku aussi. Le Bardock. Attention. La dernière carte. Oh putain, je l'ai déjà lui aussi là. Ouais. Ça, je pense que ça ira chez Baba parce qu'il a pas de. Il a pas d'éveil donc. Ça a très peu d'intérêt. Allez, encore. Donc on a, vous voyez, hein, c'est marqué, vous l'avez à droite, SR ou mieux garanti. Allez, deuxième multi. Allez, quand même, on aimerait bien, vraiment on aimerait bien avoir un Neo LR. Je referai une série d'invocations avec les tickets à la fin des 3 ans. Hein, je continuerai de les stacker, histoire d'avoir... Bouta. Baby, forme juvénile. Encore Goku, endurance. Je pense que je vais bientôt l'avoir speedy. C'est que je vais pouvoir... comment dire, je vais pouvoir faire son éveil.
bientôt. Allez. Encore 6. 1, 2, 3. 3 capsules. Oh. Pas de rainbow. À mon avis, là. À moins qu'il y ait un bye-bye. Et il y a le bye-bye. Donc, un SSR garanti. Eh ben, ça sera un C17 et c'est la version intelligence. J'ai pu voir quelques vidéos, c'est une bonne carte. Donc ça me permettra de débloquer une branche ou de monter un peu sa spé. Le Bardock. J'ai C17 et la dernière. Et c'est un Ginyu. D'ailleurs, le commando Ginyu devrait arriver pour la deuxième partie des 3 ans. Donc toute la... Tout le commando Ginyu avec le Goku Ginyu LR. Donc il faut, pour le débloquer, il faut avoir farmé toutes les autres cartes du commando. Elle te transforme pas. Putain, il se transforme, ce con. Dommage. J'aurais eu au moins un bye bye s'il s'était pas transformé. Pas de Goku SSJ3. Allez. Hamondo. Un Trunks. Une Pan. Dont on se fout littéralement. Un Ginyu encore. Et enfin, on finit avec une Pan. Ah, dommage. Donc là, pas de SSR. Allez, encore 4. J'espère quand même avoir quelque chose. Au moins quelque chose d'intéressant. Satan à droite. Bah, il s'est transformé direct. Allez, allez. Bon, là ça pue, là. Là, ça pue. Un Guéro. Une Pan. Un Goku. Un Gohan. Et la dernière. Et, bah, dis donc. Je sais plus laquelle c'est, celle-là. Zangia. Et, bah, deuxième multi sans SSR. Il en reste 3. Il va falloir que ça se bouge un petit peu là. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 ou 7, je sais plus. Ah, il se transforme. Ça aurait presque été bien qu'il se transforme pas. Allez. SSJ2. Ah, le Goku Nordax. Le Beerus. Un Goku. Ouais, dommage, il ressemble, mais c'est pas lui. Ça aurait pu être le LR. Ah, dommage. Allez, plus que 2. Plus que 2 pour avoir une carte intéressante. Le Goku Nordax, si je vais le. Je pense que je vais l'utiliser pour monter le potentiel. 1, 2, 3, 4. Il te transforme pas. Et il se transforme, ce con. Hein. Je te demande de pas te transformer. Bien les transformations, mais pas là. Allez, un magenta. Magenta ou magenta? Magenta. Un frost. Ah, une Pan. La Pan, elle me lâche pas. Un Jeez. Et enfin, on finit avec un Goku SR Endurance. Allez, dernière multi-invocation avec les tickets des 3 ans. Allez, c'est parti. On y croit, on se bat. Et tu me donnes un Neo LR, c'est tout. Là, il est là le Neo LR. Le Shenron. Allez. Le Rainbow. Et pourquoi pas un petit SSJ3. Allez, vas-y, pousse jusqu'au SSJ3. Ah, dommage. Allez, Lapin. Eh ben, Lapin. Ouh, pour ma team Dragon Maléfique, c'est celle qui me manquait. Bon, il manque le Vegeta aussi, Agi. Le Vegeta SSJ 4 Agi. Mais celle-là, il me l'a manqué. Allez, un Bardock. Encore un Bardock. Une Pan. Attention. On finit avec. Oh, non, c'est. Putain, j'y ai cru au tapion. Mais non, c'est pas Tapion, c'est son frère Minosha. Bon, Minosha, pardon. Eh bien, écoutez, on va aller voir ce qu'on a récupéré. Alors, liste des persos.
favori, on va mettre par date. Oh. Tac. Et là, tout choisir par date. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a récupéré en SSR? Donc on a récupéré elle. Lapin, on la bloque. Qu'est-ce qu'on a récupéré après? Le Goku Nordax, on va le bloquer. Qu'est-ce que j'ai récupéré en SSR après lui? Je le bloque pas. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Voilà, par date, si vous regardez. J'ai quand même eu. Voilà, j'ai quand même eu ça. J'ai eu la maille. J'ai quand même eu de belles cartes. Lui, il faut que je le. Et il est à 100%, donc il faut que je le vende. J'ai quand même eu de belles cartes. Hein. Quand même eu des cartes très intéressantes. Donc voilà pour cette vidéo sur l'invocation avec les tickets des 3 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me dire ce que vous pensez de ces vidéos d'Okan, si ça vous intéresse ou pas. Moi, j'en continuerai à en faire parce que j'adore ce jeu. Reste à trouver quel format. Je pense vous proposer un peu quelques teams par rapport à ma box sur le boss rush. Et puis, écoutez, je pense que ce sera à peu près tout. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde.